Le prince Henrik du Danemark, ici à droite, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi. Il avait 83 ans, il était l'époux de la reine Margrethe. Le prince, hospitalisé depuis fin janvier pour une tumeur, était rentré chez lui pour vivre ses derniers instants. Henri Marie-Jean André de Laborde de Montpezat était né en France, près de Bordeaux. Jeune et fringant aristocrate, il épouse la future reine du Danemark en 1967. Rebaptisé Henrik, le prince n'a jamais été très populaire dans son nouveau pays. « Tout ce que je faisais était critiqué, mon danois était bancal, disait-il. Je préférais le vin à la bière, les chaussettes en soie aux chaussettes en tricot, les Citroën au Volvo, le tennis au football, j'étais différent. » Henrik a toujours eu du mal à trouver sa place dans l'ombre de sa femme très populaire. « Je n'étais qu'une silhouette, disait-il, un clown, un toutou. »